Bienvenue sur la 23e édition de la Flèche Brabançonne, nous sommes le 27 mars 1983. On a eu tout d'abord la grande boucle d'environ 100 km avec l'ascension du Brunepute, et dans les derniers kilomètres de cette boucle, eh bien 12 coureurs vont sortir à l'avant de la course, avec notamment Da Silva, mais aussi Fons de Wolf, le vainqueur du Het Volk, accompagné d'un équipier, Eddy Planckaert, lui accompagné de deux équipiers, ou encore Rudy Martijs, accompagné d'un équipier, sans oublier Ludo Peeters. On a donc un circuit de 6 km à faire 10 fois autour du Halsenberg, et après 5 tours, eh bien, le peloton est déjà à 3 minutes et 8 coureurs sont sortis de ce groupe de tête. Ensuite, on est dans le 7ème tour, et là, Ludo Peeters, Eddy Planckaert, Fons de Wolf et Rudy Martijs vont faire la différence sur leurs compagnons d'échappée. Rudy Martijs, vainqueur du Grand Prix de Fourmi du Grand Prix Skirens en 82, ou encore Ludo Peeters, vainqueur du Grand Prix de Francfort 80 et du Ciel de Prige 1980, sont des coureurs assez solides. Et pourtant, dans l'avant-dernier tour de Sarre numéro 15, Eddy Planckaert, 24 ans, deuxième de l'édition précédente, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice, vainqueur du Grand Prix Pémenade, eh bien, il va sortir tout seul et creuser une belle petite avance d'une vingtaine de secondes sur ses anciens compagnons d'échappée. Il ne lui reste plus que la dernière ascension d'Alsenberg et il peut lever les bras. C'est une superbe victoire sur cette 23e édition de la part de Eddy Planckaert. Martijs finit deuxième à 15 secondes, De Wolf troisième à 22 et Peeters quatrième également à 22 secondes. Voici le reste du top 10 de cette Flèche Brabançonne 1983. Ciao tout.